vivait. Ah oui, ça c'est ça. Il vivait à la colle, qu'elle m'a dit, la voisine de Lucette. À la colle, pas dis donc. J'espère qu'ils décollaient un bout de temps en temps, moi-même, hein. Oh, ben bon, là, à la colle. Pardon, ah bah mon Lucette. Les gosses sont en cible, non hein? Mon père, moi, de notre temps, que j'ai dit qu'il nous aurait décollé vite fait, bien fait, un studio, et hein. Ben, pour les anticipations, c'est les anticipations, hein. Oui, t'as pas raison. Ah, et puis, tu sais, elle m'a dit qu'elle avait vu un film à la télé. Oh, le maudit pas, cette télé. Eh ben, dans le film, il y avait deux jeunes qui s'embrassaient. Où? Au Canada. Oh! Le maudit pas, cette télé. Eh ben, les jeunes de maintenant, ils ont les mœurs extensibles de la vie de la vie. Les mœurs extensibles? Oui. Le maudit pas, cette télé. Dis donc, j'avoue que tes femmes m'étaient pour avoir porté un casse-croûte, j'avoue que la dalle, moi. Ah, c'est bien, merci, bête. Alors là, ça c'est une catastrophe. Oh, ben c'est sûr que c'est pas drôle pour des parents, hein. Mais non, bon sang, t'as oublié les cornichons. Avec un jambon de ta vie pour des cornichons, on est de là. Tu parles d'un plat, tu n'avais que d'y penser toi-même. Écoute, du jambon de Paris sans cornichon, c'est comme des huîtres sans muscadet ou Paris sans la tour Eiffel, écoute. C'est vrai qu'on a fait un vieux voyage quand on est allé à la capitale, hein. Ouais, et le cousin de mon copain de régiment, en vrai la berthe. Ah oui, ça c'est pas vrai. Ah, Paris, la capitale, c'est tellement grand. Ah, on s'en souviendra, moi je vous le dis. Oh bien sûr que je m'en souviendrai. Parce que quand on est resté coincé dans leur ascenseur, eh ben, j'ai bien cru que t'allais tomber fou, hein. Écoute, je suis resté coincé 2 heures dans leur ascenseur. Une cabine d'un mètre dessus d'eux. Et à 5 là-dedans, avec une vieille folle qui sautait sur un chien gros comme un rat. À Yorkshire, ils appellent ça. On va nous crier, on gueuler, elle boudait un rat et tout. Ça doit être pour ça que ma fille dit. Parigot tête de veau, parisien tête de chien. Eh ben moi j'en souhaite pas aux parisiens d'avoir la tête de chien là, parce que moi, qui me regrette ce coup là, hein. Alors j'en voudrais même pas dans mon casse-croûte de ce clébard là. Ou alors avec Dieu.